Around the sound. Around the sound. Around the sound. Bonsoir les Electro Lovers. Alors ce soir, on va vraiment se faire une petite promenade au coin de l'oreiller entre chuchotements rythmiques lentes et sonorités expérimentales à l'appui d'une mélancolie avec laquelle tu ne voudras plus rompre. On va travailler à la construction d'un espace intérieur mental, un endroit rassurant et étendu à ta guise pour ton confort à toi qu'on va arpenter ensemble avant de se livrer à l'empire des songes. Pour ce sixième numéro de Round the Sound, on va prendre nos valises et aller traîner nos pattes sur les quais du port de Bristol en Angleterre à la rencontre du trip-hop. Je sais pas vous, mais personnellement, ce genre musical a toujours suscité ma curiosité. Je pense que ça remonte au temps où j'étais toute petite et où mon grand frère en parlait comme étant son genre musical préféré et tout ça. Voilà, j'avais une petite dizaine d'années et le trip-hop arrivait dans mes oreilles. Sans l'écouter, je me suis imaginé diverses choses autour de ce nom qui promet de multiples évasions. Alors on va aller découvrir ensemble ce que cache le trip-hop. Comme d'hab, ce ne sera pas une approche exhaustive, hein. Je vais t'emmener dans les spatialités où je me suis plu au fil de mes recherches. Le trip-hop est infiniment vaste, c'est pas une esthétique comme le glitch, mais ce genre est celui des mélanges, il naît d'un mélange. Musique expérimentale électronique, electronica, hip-hop, soul et sur des fondations post-punk. Et donc, par essence, il s'exprime par le métissage des genres musicaux. Croisement, hybridation et mélange sont ses définitions. Allez, on sort le crayon et la planche à dessin, on va matérialiser le paysage sonore que tu crées à l'écoute du titre de Peace Orchestra, Who Am I ?
L'Autrichien Peter Kruder aka Peace Orchestra avec le titre Who Am I, sorti sur l'album Peace Orchestra de 1999, signé sur G-Stone Recordings, fondé par le même Peter Kruder. Vous remarquerez l'utilisation du flanger et de la reverb hein, qui créent des nappes spatiales et qui sont caractéristiques du genre. Alors le terme trip-hop, on doit sa première utilisation aux critiques du magazine Mix Mag, Andy Pemberton, en 1994. Alors, la première fois qu'il l'utilise, c'est pour décrire l'artiste DJ Shadow et son EP Influx, sorti sur Mowax Records, sur lequel on se penchera plus tard. Différentes interprétations émergent, certains y voient la contraction des mots abstract et hip-hop, d'autres préfèrent dire qu'on peut l'associer avec le trip, le voyage qu'il est donné à chacun d'entre nous de connaître, avec l'utilisation de drogues douces, la petite plante verte notamment, qui est très présente dans les quartiers de Bristol, puisque avant tout, il s'agit d'un port ouvert sur le monde, ce qui explique l'arrivée en masse de ces produits. Donc le trip-hop associé au voyage et au phrasé hip-hop. Mais un autre aspect du genre est la présence d'une voix soul, souvent féminine, comme c'est le cas dans les groupes Portishead ou Morcheeba. On va s'écouter un classique pour démarrer tranquillement avec Massive Attack et le titre Unfinished Sympathy, sorti en 1991 sur Wild Bunch Records et qui va te permettre de découvrir la magnifique voix soul de Shara Nilsson. Massive Attack, Unfinished Sympathy.
C'était le groupe Massive Attack, groupe précurseur et fondateur du trip-hop. On va faire une petite marche arrière historique. Le trip-hop naît à Bristol dans les années 90 et on va même parler de Bristol Sound. Il prend racine au sud-ouest de l'Angleterre sur les berges de la rivière Avon. C'est souvent qu'un genre musical se rattache à une ville, alors pourquoi Bristol pour le trip-hop ? Au XVIIIe siècle, le port de Bristol est l'un des plus importants dans l'économie maritime mondiale. C'est même le lieu principal du commerce triangulaire pour l'Angleterre. La conséquence directe, c'est que la ville devient cosmopolite. Ça va notamment se jouer dans deux quartiers voisins. D'un côté, on a le TIEX de Saint-Paul, qui regroupe les communautés espagnoles, italiennes, portugaises, qui étaient venues apporter de la main-d'œuvre au moment de la révolution industrielle, et les communautés afro aussi qui s'y trouvent. Et à côté, on a le quartier de Clifton, aux racines punk. Et on va voir se percuter le groove soul, les rythmes venus du reggae, du dancehall, les influences post-punk, la musique électronique, les breakdowns du breakbeat, le scratch, le phrasé hip-hop. Bref, la fusion commence.
C'était Massive Attack avec Back She Comes sur l'album Inertia Crips, sorti en 1998 sur le label Circa, leur meilleur album pour moi. À la confluence des deux spots, des deux quartiers, Saint-Paul et Clifton, un club se matérialise, le Dig Out. Ce club devient un laboratoire, un vrai melting pot de toutes ces ambiances et s'opère alors la contagion. On a une vraie fusion des musiques savantes et de nombreux collectifs émergent. Il y en a un qui va marquer un tournant et qui se nomme le Wild Bunch. Et comme souvent à Bristol, le collectif réunit évidemment des DJ, des MC, des rappeurs, mais aussi des graffeurs. C'est la naissance d'une scène underground expérimentale. Et devinez qui compose ce collectif Wild Bunch. Et bien, parmi ses membres, on retrouve Robert Del Nadja, a.k.a. 3D, Daddy G, a.k.a. Grant Marshall, qui ne sont autres que les futurs membres de Massive Attack et qui vont être décisifs dans la naissance du trip-hop. Pour que vous captiez bien l'ambiance mélancolique qui se dégage de toutes ces productions, on va se jeter dans une deuxième chanson. Dans les rues de Bristol, il est arrivé de croiser un épais nuage de fumée derrière lequel se cachait un artiste qui a largement participé à la diffusion du genre, un artiste qu'on a pu écouter sur le parking Poulain-Corbion en 2009 pour le festival à rock à Saint-Brieuc, les vrais savent. Son premier album, Maxine Kay, sorti en 1995 sur le label Fourth and Broadway, est pourvu du titre Hell is Round the Corner, qui est un sample de la track Ike's Rap 2, musique originale produite par Isaac Hayes dans les années 70 et utilisée aussi par Portishead sur le célèbre titre Glory Box. Avec ce titre, t'as un peu la sensation de te réveiller dans un canapé qui n'est pas le tien alors que la fête est terminée, de tenter, bon an mal an, de rassembler ton esprit, tes affaires éparpillées au milieu du champ de bataille qu'est le salon, en titubant encore sous les résidus de ce que tu as consommé avant cette sieste qui n'en était pas une finalement. Alors on va se lever dans les nappes saoules et dépressives de l'incalculable Tricky, ancienne MC de Wild Bunch, avec Hell is Round the Corner. I stand firm for our soil. Little rock and falls in the juicy, so juicy. Dress me up in stitchy. Hell is round the corner where I shelter. Is something a schism? The living out of style. If you believe or deceive, common sense says shouldn't receive. Let me take you down the corridors of my life. And when you walk to, you walk to your preference. No need to answer till I take further evidence. I seem to need a reference to get residence. A reference to your preference to say I'm a good neighbor, I trust. So judge me from my labor. The bottom ensures my good behavior. The constant struggle ensures my insanity. Passing the ignorance ensures the struggle for my family. We're hungry, beware of our appetite. Distant drums ring the news of a kill tonight. The kill which I share with my passengers. We take our fill, take our fill, take our fill. I stand firm for our soil. Little rock and falls and they juice me, seduce me. Dress me up in stitchy. Confused by different memories. Details of Asian remedies. Conversations of what's become of enemies. My brain thinks bomb-like. So I listen, he's a calm type. As I grow, and as I grow collective. Before the move, sit on the perspective. Mr. Quay lay in the crevice and watches from the precipice. Imperial passage. Heat from the sun someday slowly passes. Until then, you have to live with yourself. Until then, you have to live with yourself. I stand firm for our soil. Little rock and falls. And they juice me, seduce me. Dress me up in stitchy. Hell is round the corner where I shelter. Living in schisms. We're living on a skelter. If you believe I deceive, then common sense says you will see. Let me take you down the corridor. My brain.
brain thinks bomb like, bomb like. My brain thinks bomb like, bomb like, bomb like. My brain thinks bomb like. Beware of our appetite. C'était l'artiste Adrian Toes, a.k.a. Tricky, ancien membre de Massive Attack, qui est l'un des seuls à ne s'être jamais écarté de la conception du trip-hop. La majorité des artistes qui se lancent dans le trip-hop vont se poser la question de savoir s'ils doivent se diriger vers des productions plus simples, plus accessibles. Ouais, alors parce que même si le trip-hop en 1994 explose avec les deux grands albums Inratable, Dummy de Portishead et Protection de Massive Attack, ben, le grand public n'est pas forcément réceptif à ça. Le trip-hop est par essence une musique très expérimentale. La musique expérimentale ne peut pas se traduire par un son ou un rythme précis. Ici, pas de caractéristiques sonores communes, hein, c'est davantage la démarche de production qui fait qu'un titre est expérimental. C'est la volonté de sortir des codes connus, des carcans, d'aller trouver l'inédit, en fait d'élargir l'expérience musicale et le paysage sonore. Ça peut être en faisant intervenir de nouveaux instruments, de nouvelles techniques, du scratch, faire des associations qui n'avaient jusque-là pas été mises en œuvre. Ici, par exemple, ça illustre bien l'association soul, phrasé hip-hop, rythme down-tempo, touche électro, c'est du jamais vu tellement c'est complexe et nourri. Et c'est ça qui permet de qualifier la musique expérimentale. On va écouter un morceau qui traduit bien la complexité et l'originalité des sonorités qu'on peut retrouver dans le trip-hop. C'est un morceau assez récent, sorti en 2016 sur le label Liquid Amber, lancé par DJ Shadow, qui était le premier artiste qu'on associe à ce genre dans la presse, dont je vous parlais plus tôt. L'EP se nomme, alors attention, Bergschrund/Ubu. Et c'est la première track de l'EP qu'on va s'écouter. Alors, elle est le résultat d'une collaboration entre le pianiste bien connu sur les bancs de la musique abstraite Niels Frahm et DJ Shadow. On tire ici presque vers l'IDM, l'Intelligence Dance Music, avec des sons très complexes, des samples, des flangers, des reverbs. DJ Shadow est vraiment un explorateur sonore et il te propose de le suivre.
C'était DJ Shadow avec Nils Fram. Je ne vais pas me réessayer sur la prononciation du titre. Si vous voulez le retrouver, c'est dans la playlist YouTube sur la page Around the Sound où vous retrouvez d'ailleurs toutes les tracks passées dans ce podcast et d'autres si vous voulez creuser un petit peu plus loin. Tu l'as bien compris, Bristol est le véritable berceau du trip-hop. Mais outre-Atlantique, aux États-Unis, on a un petit man qui se place au devant de cette scène expérimentale dans les années 90. Joshua Paul Davis, a.k.a. DJ Shadow, né en 1972 en Californie. Musicien, producteur, DJ, directeur du label Liquid Amber, c'est une figure du hip-hop expérimental qui touche, il semblerait, ses premières platines à 12 ans quand même. C'est le premier artiste qui produit un album uniquement avec des samples, son album Influx, et c'est révolutionnaire, enfin fallait y penser et oser faire un album qu'avec des samples. Il mixe ensemble tous les genres de musique et c'est ça qui va le rapprocher du trip-hop. Il va aussi participer à des projets collectifs avec Massive Attack, c'est un des membres du célèbre duo Uncle. Bref. Le trip-hop, c'est avant tout un dérivé du breakbeat, c'est sa variante expérimentale. On est sur des rythmes binaires, syncopés, et DJ Shadow, bah, il illustre parfaitement le versant breakbeat hip-hop du trip-hop. On va rester avec lui, le temps de deux autres chansons pour illustrer les frontières mouvantes entre tous ces genres. We'll be right back.
Alors là, c'était la version instrumentale de Three Freaks par DJ Shadow. Déchirant. Des sons sortis de nulle part, ça stimule bien le cerveau, je trouve. On ne peut même pas compter toutes les releases de l'artiste, il en est à plus de 150, c'est certain. Et parmi elles, il y en a une qui fait figure d'exception. Dans le sens où il s'éloigne de ce qu'il propose d'habitude. Je vais vous en parler vite fait, ça fait du lien. En 2006, sur Universal Records, il sort l'album The Outsider. Et avec cet album, DJ Shadow met en avant un courant méconnu, le hip-hop de la baie de San Francisco, qu'on nomme le Hi-Fi. C'est un mouvement qui se veut être une réponse au hip-hop jugé trop commercial des années 2000. On peut le traduire par un hip-hop énervé ou excité, des sons rugueux et puissants. Bref, on se rapproche du crunk. Parmi les artistes célèbres du courant, on trouve Kick Da Sneak, reconnu comme en étant l'inventeur. Et puis on a aussi les artistes E-40, Mista Fab ou Turf Talk. Et DJ Shadow va être très critiqué pour cet album, notamment par les puristes de l'IDM et de l'XP. Mais moi, je suis pas d'accord. Be free, man. Surtout quand c'est pour faire des bails comme ça, franchement, si tu veux un peu t'énerver avant de passer voir ton banquier pour avoir l'air plus convaincu, mets-toi ça dans les oreilles à fond, dans la caisse, là, ça booste. Perso, je valide. The mechanics. Still fucking, I'm coming with some of that stupid go dumb shit. Rolling, I'm busting and touching the world so they can run with it. On full moon game till the sun hit it. I do it like Newton, what's her name? Wasn't done with it. Have fun with it, that's all I know how to do. A younger been thugging and said, fuck it back in 92. I'm like an addict, no tapping in my frequency. The beat knocking so hard I can't hear. Don't try to speak to me, the key in me. Super HY to the P out. PH, niggas know why they let me out. Oh, yeah. Finally free from that minor setback. Put in work, over to town like a jet black beanie hoodie, burner one. Sorry, the verbal spilling, I'm killing, never see the gun. Ain't no two ways around when it's on the one. Verbal spilling, I'm killing, never see the gun. Get ya, got ya, name is me when I'm gone. Bitch, I'm in my zone. Thought I feel back up on my phone. Let's get it on, and I'ma do it for my home. Warriors, Raiders, Ace to Thunderdome. I'ma get ya, got ya, name is me when I'm gone. Bitch, I'm in my zone. Thought I feel back up on my phone. Let's get it on, and I'ma do it for my home. Warriors, Raiders, Ace to Thunderdome. I'ma still in the gang, going both ways. I've been doing it way back when Ricky did it for the A's. Clutch plays, I come through when it's needed most. When you're running shit, I'm like Brian, boy, who needs the coach? It take a warrior though to kill a king. Yeah, that I mean, singers can rap, rappers can't sing. Boy, I keep it clean and take a party to 30 it up. OG, off in my club, it's 30 and up. Hurry it up, do it moving, I be on a miss. Cook, hook, serving with this, it's my favorite dish. A motherfucker would, is my only wish. If motherfuckers could, they would've done it. Boy, nigga, off the T.O. P, that's who you see, oh. Just a product of my grandson, got the line with Amigo. Cocaine for Shizo. Shiba from my Prino's Grand National. Fuck painting, buying price, Puerto Rico. I'ma get ya, got ya, name is me when I'm gone. Bitch, I'm in my zone. Thought I feel back up on my phone. Let's get it on, and I'ma do it for my home. Warriors, Raiders, Ace to Thunderdome. I'ma get ya, got ya, name is me when I'm gone. Bitch, I'm in my zone. Thought I feel back up on my phone. Let's get it on, and I'ma do it for my home. Warriors, Raiders, Ace to Thunderdome. The mechanics. C'était le leader du mouvement Hi-Fi et du Scissor, Kick Da Sneak, avec le titre Thunderdome. DJ Shadow, avec son EP Lesson 4, attire l'attention du label Mowax Records, qui a toujours eu la volonté d'être au devant du trip-hop. Le label Mowax est lancé en 1992 par James Lavelle et l'amour est tel entre les deux bonhommes qu'ils formeront le duo Uncle, reconnu unanimement comme étant l'un des piliers du trip-hop. Sur Mowax, on retrouve beaucoup de breakbeat expérimental justement. On va s'écouter une release qui est un bon exemple de trip-hop au breakbeat pur, sans fioritures, avec The Force et la track Future Tense sortie sur Mowax Records en 1996.
C'était l'artiste The Force avec la track Future Tense sortie sur la compilation Heads to Be éditée par Mowax Records. Breakbeat expérimental, on a un petit peu les caractéristiques principales du trip-hop. À ça, il faut rajouter le down-tempo. Plus qu'une rythmique, le trip-hop se traduit par une atmosphère mélancolique et ça paraît compliqué de rendre ce sentiment sur des rythmes élevés et donc c'est majoritairement des lenteurs qui vont s'exprimer. On va se rapprocher de l'ambiante et du down-tempo. La track qui suit a presque réussi à me tirer des larmes. L'artiste, je l'ai croisé en présence d'un de mes mentors sur les sols froids mais toujours réjouissants d'Astro Hiver, pour lequel on avait été invité à faire un petit plateau radio par les potes brestois de B-Sides Airlines. Stop au suspense, il s'agit de Luc Vibert, un génie, et de sa track Sharp A2.
c'était l'artiste anglais Luke Vibert et sa track Sharp A2, sortie sur la même compilation Heads to Be, dont je vous parlais avant, proposée par le label Mowax Records en 1996. Si tu veux te plonger un peu plus profondément dans le trip-hop, ces compilations sont une petite mine d'or. Alors, le label Mowax Records, il utilise des dessins du graffeur Futura 2000 pour tous ses artworks. Et on assiste à la même période à une explosion du street art dans les rues de Bristol. Je vais faire un petit point sur le street art justement, parce qu'on remarque que les graffeurs sont omniprésents dans l'histoire du trip-hop. Notamment, on avait besoin de leur talent pour les flyers et les couvertures d'albums. Ah oui, et aussi, bah, le nom de Massive Attack viendrait du graffeur new-yorkais Brim Fuentes, fondateur du Tats Crew, un collectif de graffs du Bronx qui sévit dans les années 70-80. Et alors, il aurait tagué le slogan « Massive Attack » en réaction à une intervention policière au cours d'une rave. Ouais, y a pas de hasard, quoi. Tout est lié. Et enfin, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de la rumeur sur l'identité de l'artiste Banksy, originaire de Bristol aussi. Alors, certains assurent qu'il s'agirait de Robert Del Naja, 3D, le membre de Massive Attack, qui a importé le graff des États-Unis et qui, comme Banksy, grave beaucoup en noir et blanc parce qu'il est daltonien, et on a également remarqué la présence de ses œuvres à des endroits qui coïncident avec les villes où le groupe a donné des concerts. Ouais, je pose ça là, j'en sais rien. Je le connais pas personnellement. Bref, le trip-hop est largement associé au street art et à la culture hip-hop. Bon, on a apporté pas mal d'éléments pour débroussailler ce que recouvre le trip-hop, une culture hip-hop largement ancrée, souvent un chant féminin soul, allié au sample, au scratch, un phrasé rappé, le breakbeat, le downtempo, les touches d'électronica. Mais il faut savoir que le trip-hop peut se retrouver classé par ses adeptes comme un courant du jazz et qui descendrait du smooth et du post-modern jazz. On lui trouve aisément des racines funk et acid jazz. Ouais, ça fait beaucoup. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que ce genre est celui de l'innovation et des mélanges, et notamment le mélange des musiques savantes, et donc un style nourri de nombreux apports. On peut voir aussi poindre par-ci, par-là, des petites sonorités glitch dont j'avais causé dans un des précédents podcasts. On va s'octroyer une petite pause musicale prolongée avec deux titres de l'artiste Nightmares on Wax. Je vous le présenterai après et puis vous allez voir, on distingue bien les racines jazzy et funky du trip-hop avec au sax Jimmy Tenor et à la guitare Earl Tattoo. Allez, je vous laisse avec deux titres de Nightmares on Wax. We'll be right back.
share one spirit. All humans share one consciousness. But yet they want to be separated. Like my life, my ideas. They don't realize that all humans share a huge pool of consciousness, of thought. All human thought vibrates at a certain frequency. We're all in communication. You know, when you exhale, I breathe the air you breathe. We're all together, really. This is the way nature designed it. So that we will be sharing the earth together.
take a couple breaths of air. This is the same air my family's breathing, the same air they're breathing in every part of the planet. Let's take care of this. We're all eating the food that Mother Earth gives us everywhere. Everybody's food comes from the same earth. So let's create that global consciousness, this planetary way of living. This planetary way of living. Way of living. Trash, you don't give pollution back to nature, you give love back, you give some of your energetic goodness back to the earth. C'était pas mal ça, hein, avec des chants Ikuru d'une tribu mexicaine et les mots du sage Caotli Vasquez. Alors le premier titre de Nightmares on Wax qu'on s'est écouté, c'était Is Jimmy, avec le superbe saxo de Jimmy Tenor. C'est sorti sur l'album Car Boot Soul en 1999. Et le second, c'était Back to Nature, sorti en 2018 sur l'album Shape the Future. Mais sur quel label alors? Bah ouais. Un grand absent jusque-là de ce podcast, le label anglais indépendant Warp de Sheffield et qui est aujourd'hui basé à Londres. Comment ne pas parler de cette institution fondée par le trio, le producteur Robert Gordon et les deux employés d'un disquaire, Steve Beckett et Rob Mitchell. Ce label est largement associé aux styles électroniques expérimentaux et à l'IDM. Il tire son nom d'ailleurs des vinyles déformés et abîmés. Et l'artiste Nightmares on Wax, dont on vient de se faire deux titres, est un emblème du label Il Opère, la seconde sortie sur Warp en 1989 avec son Dextrous EP. Et il reste affilié à la machine aujourd'hui encore. C'est l'un des plus vieux artistes de Warp. Et vous constaterez la modernité de ses sons, c'est incroyable. Il sort ses premiers avant les années 90. Et bah ouais, c'est vraiment d'actualité. Bref, c'est la première fois que je me suis plongée dans ce label, un peu sérieusement. Et je pense qu'on aura l'occasion de reparler de ce qui s'y trouve. Il y a vraiment des trucs incres. Allez, on s'en fait une dernière ensemble, du groupe précurseur Archive, qui a sorti un album qui, je dois le dire, est magnifique de bout en bout. Il s'appelle Londinium. Vous pouvez vraiment le lancer et vous le faire en entier. C'est incroyable de mélancolie triste, mais de douceur aussi. Des petits riffs de guitare qui sont magistralement définis, des nappes de synthé étendues à l'infini, une voix soul et chaude. C'est sorti en 1996 sur le label Island Records et ça vaut le détour. C'est Archive avec le titre Headspace. You fill my headspace with evil thoughts unkind. I can do without, do without. You move with hate. Your darkness, my light cannot take. You deceive without a second thought.
I receive my heart an open world. You say you hurt yourself when you fuss around, but I feel your soul penetrate when your gaze, your touch with desire on another domain. C'était Archive avec le titre Headspace. J'espère que l'escapade mélancolique t'a plu. C'était pas facile d'aborder ce genre musical différent de l'EDM et qui n'est pas fait pour danser. J'ai pas l'habitude de me lancer dans ce monde-là, mais c'était une vraie découverte pour moi. J'espère que ça l'était autant pour toi. Il y a encore de nombreux versants inexplorés, les racines punk, post-punk, rock, le shoegaze qui est l'alter ego du trip-hop dans le rock, les nouvelles générations et les héritiers du trip-hop qu'on peut identifier comme London Grammar, Lana Del Rey, FKA Twigs, le rapport complexe à la mélodie qui est malmené souvent, les liens du trip-hop avec l'ambiante, l'ilbiante, l'ambiante break, l'acid house, bref, j'y reviendrai peut-être un de ces quatre dans un prochain numéro, mais rien ne sert de trop en dire la première fois. On se retrouve la semaine prochaine pour le deuxième numéro de notre collaboration avec le collectif égyptien Yugen. On te présentera l'artiste Carlos, tu vas voir, c'est très quali. En attendant, tu as comme d'hab des petites tracks qui viennent clôturer le numéro sur le trip-hop et tu retrouves toute la playlist sur la page Facebook ou sur la page YouTube de Round the Sound. Merci encore et toujours au poteau Minuit Studio, au copain Earl Nest à l'origine du générique. On n'oublie évidemment pas d'aller écouter l'équipe d'Electrolab le vendredi soir de 20h à 22h sur Syllab. Cœur cœur les frères, et comme le dit un sage plus jeune que moi, be more curious, peace. Undernourished egos for rotating it.
addiction. Been here before, been here forever. Moving up slowly and the shit keeps moving up slowly. Yeah.
around the sound.